Bonjour tout le monde, ici Pikapuff qui c'est pour mon épisode de Pokémon Violet. On continue à explorer la zone ouest. La zone ouest numéro 1. Il y a un centre là, mais pas mal. On va explorer la petite course. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un arbre. Abouana. Perle triple. Je veux un paresseux. On a l'air de tout être pareil. Je vois si un shiny. Un shiny de ça, c'est une couleur. Total shiny balle. Ça, toi. Ça. Un os rare. Il mouille! Il est venu en l'arbre, puis il mouille. Je veux dire que j'aurais mis un item, mais on a encore mis un item. Pokémon doré dans l'eau. C'est quoi qui est là? C'est quoi ça? Oh non, ça va aller. Non. Estocorne. Je suppose que ça va être relié à ça. Ouais, ça va. On va avoir un petit truc là. L'air de l'autre, le palier. Faut que je remonte là, c'est une entraînante par tout ça. Le pire. Oh lui il est pas. C'est qu'est-ce que j'ai vu tantôt? T'es quoi dans la vie toi? Un voracité. J'en fais un autre là-dessus. Oui. Parfait. Je sais pas c'est quoi ou juste qu'on peut. Clic. Vorastéri. Considérez quoi ça? Vorastéri, Pokémon cruel type poison et eau. Sa capacité de se régénérer est impressionnante. L'amertume et l'âpreté de ses tentacules coupés les rendent impropres à la consommation. C'est comme une anérote. Appelez-vous Ratio. Probablement que le gros doré, c'est son évolution. Il n'y a pas d'avoir. Oh, super.
je vais le garder. Hein? Je l'ai pas lui non plus. Lui, il a pas d'évolution. C'est juste... T'as pas un Pokémon épée? Pas épée, mais... c'était-tu lui? Il y avait... C'était-tu un Pokémon de cocombe de mer? Ou... Non. Pokémon... Soleil, Lune. Je sais pas ce que c'était lui. Je sais même pas quel type qui est. On va essayer de le capturer, excusez-moi, mon dieu. C'est quoi qu'il y en a derrière de moi, là? Il y avait quelque chose d'immense. C'est beau. Un Watapic. Pokémon oursin. Non, c'est un type électrique, même pas. Il est si peureux que si les fleurs des algues, cela le surprend, il libère une décharge, ses lèvres ne conduisent pas d'électricité. Mais c'est des fesses. On va l'appeler Boursin. Parce que voyez-vous, il y a une type de fromage que ça s'appelle Boursin. Puis c'est un oursin. Y a-t-il une évolution? Non. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de pas avoir une évolution. Je veux dire, il y en a qui en ont jamais eu encore, là. Je parle de Smeagol. Aussi. Comment il s'appelle, l'espèce de Violette là? C'est-tu un Shiny? C'est un genre de verre dans une espèce de pomme, je sais pas trop. Oh my god, il était dans la deuxième génération. Oh, ça nage ces affaires. Fascinant. C'est fascinant. Chose dans l'eau. Je vais faire quelque chose dans l'eau. Je sais pas c'est quoi. Du calcium. Puis bienvenue ma chérie. Sweet, sweet calcium. C'est bon le calcium. Mec, c'est le cas de l'autre là. On va traiter ça pour Pokémon. Giga Impact. Carbone. Après le. Calcium, voici un peu de carbone. Ok, Qui est au bas, ça va en avoir. Mais où peut-il être? Pardon. Je cherche le potentiel qui s'avait en moi. Laszlo veut se battre. Il envoie un délestin. Que c'est ça? C'est quoi ça? C'est laid? Non, j'ai pas une brioche! Ah, fuck, une autre en deux. Nous avons un problème. J'ai envoyé mon chat. Je vais prendre un peu sur lui.
Pokémon sont très élevés ici. Hein? Je soupçonne que c'est un type. Oh! Yes. Niveau 32 et 26. Petit Pain va prendre relais. Voulez-vous qu'il oublie l'incapacité pour prendre relais? C'est quoi que ça fait relais? Non, le lanceur échange sa place et tout changement de stat avec un Pokémon de l'équipe. Non! Fais-tu quoi? Non. En tout cas, ne se trouve pas dans le combat. Petit Pain évolue. C'est pas cute. Oh, wow. Petit Pain évolue en brio chien. Mais il est donc bien cute. C'est rare qu'un Pokémon est tellement encore beau quand il évolue. Pokémon chien, type feu. La surface de sa peau durcit lorsqu'elle est exposée à une forte chaleur. Son corps exhale un délicieux parfum. Alors, t'as un Pokémon que t'as quasiment envie de manger, là. C'est ça. Oh, wow. Cool. Est-ce qu'il est beau, comme ça? Tu m'as gros? Quand même nice. Regardez-moi ce chien, il est beau. Ok. Donc, notre Pokémon évolué, on va prendre le prochain, c'est la liste. Et c'est notre petit Olaf. Allô, Olaf. Mais Olaf, t'es un peu faible. Tu risques de te faire péter la gueule. Olaf, c'est quoi le nom de sa Pokémon-là? C'est un Killcroc. Donc, je vais regarder sur notre Pokédex. Sans regarder quoi que ça évolue. Je sais à quoi ça évolue, ça. Lui, dans Pokémon Épée. Mais je veux juste voir quel niveau évolue, ou à quel prérequis nous devons avoir. Parce que... il y en a qui sont fancy. Des Pokémon très 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 spéciales. Il y a des façons d'évoluer des Pokémon très spéciales. Évolution. Il évolue au niveau 22. Tout simplement. Ça devrait bien aller. C'est un... quoi? C'est quoi une attaque? Charge et pistolet à eau. Charge et pistolet à eau. C'est pas un jour, mais c'est ça. Du fer. Tu peux au max, c'est quoi avoir? Je prends le tour de l'île. Bon, c'est les poissons tout autour. Vinaigre, continuons votre acide. C'est quoi ça? Cette évolution de espèce de mouette que j'ai pogné électrique. Hein? Oh my god, on a une meilleure vue, ça. On a l'albatros. On l'a pas sorti. C'est trop ça. Minuscule. Il nage. Shiny.
M'emmener, je vais peut-être remplacer mon papillon de glace. Quelque chose d'autre. Je dois avoir quelque chose d'autre de glace, par exemple. Bouffe le bébé. Très impressionnant. Du zinc. Et air d'herbe. Oh my god! C'est immense, ça, j'en ai. J'ai peur de toucher. Air de feu. Une masse de feu, ça va se la cible. Air d'herbe, ça veut quoi? Air de glace? Air d'eau? Non, air d'eau. Non, mais qui suis-je pour blaguer ça? Mais je vais remonter, il y avait l'entraîneur en haut. Non, on n'a rien d'autre à faire. What the fudge? What the fudge is that? Ah! C'est deux. C'est elle est? Quoi ça? Non! Si je reste dans l'eau, pas loin de poisson va sortir. C'est clair qu'il monte des niveaux là. Olaf. Olaf a pris une morsure. Je sais pas combien de niveaux, il a juste pris une attaque. Oh my god. Oh my god. Hello. Hello. La garde. Hein? Je cherche. Oh my god, ça lag. C'est le petit bulan en haut. Hein? Il y a même trop d'éléments pour ça. Je cherche un poisson fort des deux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, hein? Il est vraiment laid, là, comme l'autre bobine. Est-ce qu'on peut aller sous l'eau? Est-ce qu'on peut avoir d'ailes? Oh, toi, je t'ai pas vraiment. Que dalle. Un fin goût. J'ai peur de one-shotter fin goût. Niveau 29, faut pas attendre plus haut que 30. C'est clairement un Pokémon lourd, ça. Deux, trois, clic, on l'a eu. Un flingouste. Niveau 14 pour Olaf. Olaf apprend à briller. Pour me capturer, un flingouste Pokémon lance à eau, type eau. S'il perd une pince, celle-ci repousse. Sa chair est comestible, mais son goût est très particulier, ne fait pas l'unanimité. C'est une langouste.
Au vieux du lutte, quel festin. Il y avait un Pokémon de lait. Je sais pas où. Pas de poisson vraiment hideux. Gardons un œil ouvert, on sait jamais. Je sais même pas, ça a-tu une évolution cette affaire-là? Poisson fort dégueulasse. J'aime pas que c'est existé, c'était pas bien. Ils apparaissent quand tu bouges pas. Collector. C'est ça? Ah oui! Il a... Que c'est ça? Un dentifrice. Qu'est-ce que c'est là? Choc mental. Ok, petit psyché. J'ai peur de le tuer avec un morceau, mais non. Oh shit. Ça doit être un poisson psychique, ça. Dentifrice. Je sais pas, je suis pas très fan du nom. Pokémon grince-dent. Type eau psychique. Quand les rayons du soleil se réfléchissent sur les ondes formées par ces grincements de dents, l'eau autour de lui brille de mille feux. On pourrait l'appeler Colgate. Même que si j'ai assez de place. Colgate total. Non, ça fait. Mais il est une évolution, t'as fait? 336, on va aller voir. Moi je dis que j'espère que non, mais en tout cas. Délestin. Quel type es-tu? Au psychique. Okay. T'as-tu une évolution, mon genre? Vie au lac Astrol. Dans les zones marines et les lacs. Tu vois un genre de poisson robotique, c'est bizarre. T'as un toit de quoi? Je sais quoi. Gouzo. Ok. Donc, 333. Est-ce que 334 c'est une autre évolution? Ça semble être une évolution à ça. 336.
fait son évolution à ça. Ah, what the... C'est peut-être une évolution, peut-être que non, j'ai aucune astuce d'idée. Intriguant. Oh, je peux avoir un Slow King. Comment tu fais avoir un Slow King? Comment? Ça te comporte quoi? C'est bon. Ok, on s'en va ça, je pense qu'on a fait un bout. Ouais, ouais, on va s'en va tout de suite, on retourne à la zone. J'ai légèrement tombé dans le temple. J'ai légèrement tombé. Moi, ce que je veux, c'est remonter. Il y avait un entraîneur tout là. Mais j'avais pas été tout là. Il y a deux entraîneurs en fait. Oubliez-vous un parasol là. Qu'est-ce qu'un serveur? Un serveur, c'est quelqu'un qui sert. Crois-moi, tu vas être servi. Otto, le serveur. Un rio. À date, mes Pokémon m'écoutent. Je pensais qu'à partir du niveau 30, mais très bien. Je pense que c'est juste que tu ne peux pas rattraper les Pokémon niveau 30 et plus. Riposte. Cruel. Oh, quasiment. Et une victoire de Servier 1. J'ai tellement de potions. Je peux juste m'en y donner. Antidote. L'entraîneuse là, oui, je sais, je l'ai vu, clique pas. Regardons dans les armes. Est-ce que je suis malin? Mais j'ai-tu été là? Je pense que oui. Oui, j'ai été là. Tout ce que je veux, c'est un PSO. Je sens qu'ils sont difficiles à pogner. Oh non. Oh merci. Merci. Je sais que t'allais te battre à mort pis montrer ta dominance, mais c'est que je pense que t'étais pas le chef de la gang. Un rappel. Et là, tonton. Quoi? Ton tonton, elle. Eliatron. Ton tonton, elle. Eliatron. Je fais mes propres exercices de diction. Quoi? Robin. Étudiant de sport. On voit Eliatron.
Bon, pas vraiment. Souci des rangs. Niveau 33 et 17. Tranche. C'est attaque normale. Est-ce que je veux vraiment avoir tranche? Ça, c'est la question. Psychadate. N'échoue jamais. Je peux remplacer ça par... ouais. On va avoir une attaque normale de temps en temps, ça fait pas de mal. Ton tonton est là, zut, je me suis trompé. Tu t'es trompé. Ça c'est fantôme. Qu'est-ce qu'on va voir fantôme? Ah, oh, c'est le petit oiseau électrique, je crois. Qu'est-ce qu'on va voir fantôme? Peut-être Taxo est bon contre le fantôme? Les ténèbres sont bons contre les fantômes. Ce qui fait aucun sens, mais quand même. J'adore ce jeu-là. C'est pas Pokémon en fait, je me suis pas mis assez de temps dans Pokémon épée, puis peut-être dans Pokémon diamant. Pour aller reprendre mon nom, puis les avais changés pour avoir un jeu. Puis j'ai dit, je vais prendre mon temps, puis je vais voir ça aussi. Puis quand je vais avoir fini celui-là, ben, je vais réacheter. Les deux autres jeux, puis je vais continuer, j'ai encore mes saves. J'ai Pokémon Arceus, j'ai Pokémon Snap, j'ai Pokémon Dawn Star. On va jouer prochainement, c'est le prochain jeu, c'est à lui. En fin de semaine, je vais jouer à ça. On était rendu à Batarticuno, quelque chose de même. C'est mon but, c'est de... Je joue à Pokémon Violet, mais je joue à d'autres jeux tout. Un différent à chaque deux jours. Je vais essayer de finir des jeux de Switch parce que j'ai plein de jeux de commencer de Switch. Puis on a un nouveau Kirby qui sort. Finalement, Fire Emblem, je le pognerai pas. Je suis pas un fan de Fire Emblem, j'ai jamais vraiment joué à Fire Emblem, donc ça me. Si vraiment je voudrais être un joueur à Fire Emblem, je vais peut-être me pogner les autres avant, tu sais. Ben même là, je sais même pas par où commencer. Là, on a des bonbons, on va donner ça à notre petit crocodile, notre Olaf. Pas crocodile, c'est juste là. Mais qu'est-ce que je dis là, bordel? Je vais en donner deux. Niveau 19. Ben, on a un cochon. Il devient plus fort à chaque seconde. Ok, maintenant je peux remonter, faire ça, ça. On a un type électrique, un donjon électrique.
Moi, j'aimerais qu'il y ait un paresseux. Je passe à côté, puis je vois qu'il y a un paresseux dans l'arbre. C'est formidable, sa sensation. Toi, je t'ai battu, hein. Oui, tu m'as battu, telle une. Telle une. Il y a des collines d'un coup. Qu'est-ce que tu me dis? Que Overwatch vient d'annoncer que les. Ben, en tout cas, quelqu'un qui travaille pour Overwatch vient d'annoncer que les deux prochains héros seront des supports. Et ça, c'est bien. Parce que là, c'est support. Oh, il y a un autre Panko. Désolé, je ne vois pas l'autre. C'est peut-être pas paresseux, ça. C'est peut-être juste Panko. Pikachu! Pikachu. T'as fait mon imitation Pikachu? Pikachu. Toi t'as le soin. Oh! Je vois ce qu'il fait. Il est dans les arbres, puis il te saute dessus. Puis il te dévore là, de l'intérieur. Faire ça de même. Après ça, je vais aller là. C'est quand même très. Très facile, j'espère. Je vais aller sur cette petite plateforme ou quelque chose. Oh, schnitzel! Proche. J'ai-tu fait, lui, là-bas? Oui, j'ai fait. Ça devait dire... Non, je peux pas. Je reste en train d'aller là-bas. Oh oh oh, comment vais-je te saisonner? T'es-tu cannibale ou quoi? Kamala, le cuisinier du bar. Il envoie un ramolo. Il doit être pas mal quand même. Toi, là. Morsure. C'est un type psychique haut. On va paralyser. Oh non, je peux plus le faire. La charge. Hey, voilà, t'as pas de Pokémon dessus. Good job. Mais je parlais à mon sandwich, qu'est-ce que tu croyais? Ils disent tout ça. Commence de même, ça finit avec une série de films de tueurs en série. Je le sais. Je voudrais que je retourne dans le désert peut-être, puis cette fois-ci, je peux pas mieux. Parce que, honnêtement, paresseux. T'as pas été difficile à pogner. C'est quoi 23? Ah, oh, c'est de l'oiseau. Ronco. Parce que lui là se trouve où habituellement? Il se trouve juste là.
dans le désert. Apparaît rarement. J'en veux un. Et j'en trouve un. Pour être super. Pas une chose. Cet oiseau me gosse. Il m'empêche de progresser. Je peux bouger la caméra. J'oublie tant ce petit détail. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est dans le même, je pense. J'ai battu, j'étais sec, on va là, je suis en bas, j'avais le donjon électrique, c'est ça. Plus. J'ai tout ça, l'utiliser tout de suite. Force ajoutée. J'ai une max. Donc on entraîne un kilo. Belle. Je crois qu'il y a l'autre bout là-bas. Bois de la vie. C'est considéré comme un... Oh, c'est peut-être un... Ouais. Pas question qu'il est là. Ah, ça doit être le feu. Je vois qu'est-ce que... Ok, ça c'est le type feu. Je vois...
une softball. Allez, je me lance. Lance-toi. Question. Qu'est-ce qu'on lance pour débuter un combat? Pokéball. Wendy, la dracologue, veut se battre. Un verre pomme. Tirado vague. Mon lancer a raté sa cible. Il y avait des types de tauros différents dans ce jeu. Donc, c'est... Super bonbon. Faut que je descende ici. Niveau 20, super maman, 50 pièces. Vent arrière. Occupe-toi de lui. C'est ça. Oh my god! Oh non, tu me niaises. Hey, les Pokémon sont sauvages, ça. Yeah.
bien aller, là. Merci. De l'huile. C'est-tu le même entraîneur que j'ai fait? Ah oh non, il y en a trois ans. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont tout à voir, mes pétailleurs? Moi, je vais finir ça. Tabarnak, non. L'entraîneur, là, je peux me dropper en bas ici. Ok. Puis on a. Un donjon. Un raid. L'équipe feu. Le repère de l'équipe feu de Team Star se trouve non loin d'ici. Je pensais que t'as des Pokémon. Ajar, il tente de se battre. Mais dans vos quoi? On a un. Un flottillon. Oh, c'est psychique ça. Morceau. Quasiment. Azumarill, continuez à changer. Big boss. Mange mon tranche. Il est pas là. Non, ça c'est super efficace. Oh, c'est un petit flamme. Je l'attaque flamme. Ben ouais, il y a des gros graines dans la face, t'aimes pas ça. Hein? Wink. Niveau 21. Coup de boule. Ça peut être bon. Feu. Ça va avoir une très bonne sur moi, j'en veux qu'on a. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose, ça? Mmh, Crocolarme. Ne pleure pas. Pipite. Ah, Code Tower, j'ai un point de repère. On va pouvoir terminer ça avec le donjon électrique. On va juste en faire, sans voler. Et tu me dis qu'il y a quelque chose qui va me popper dans la face. J'ai des dés à terre. C'est bon que j'ai pas envie de faire. Potion.
fait. Oh. Il y a tellement de choses partout. Mais c'est pas vide. C'est comme plein de tonnes quelque chose à faire. Ok, on va voir ce qu'on a dedans. C'est quoi ça? C'est électrique, ça, c'est sûr. Probablement que je faisais comme... Oh oui, je me rappelle, c'est quoi maintenant? J'ai aucune putain d'idée, c'est quoi cette affaire-là? Que c'est ça? Sûrement que je l'ai déjà. C'est quelque chose que j'ai déjà que. Surtout que je le vois, je vais te. Ah oh, oui, c'est ça. Ça, c'est évident. Les boulets roux, que c'est ça? Faut voir c'est quoi les roux? C'est quoi, c'est un... Ben, c'est clairement un insecte. Pokémon rouleur type insecte. Il fait rouler sa boule de boue jusqu'à ce qu'il ait accumulé l'énergie nécessaire à son évolution. Très intéressant. Niveau 22. Il évolue tout le monde. Olaf évolue. Il fallait quelque chose de... Il voulait quelque chose de quand même nice. Et Olaf évolue en Torgamore. Torgamore, Pokémon de morsure. Eau roche. Oh, c'est un type roche maintenant. Ce Pokémon se cache au bord de l'eau. Lorsque ses proies viennent s'abreuver, il étend son cou et il est mort profondément. Ben voilà.
tombe roche. On peut bien oublier quelque chose. Charge n'est pas nécessaire en ce moment-là. C'est bien gros. Oh wow! C'est immense. Ta Pokémon Tortue Alligator, ça là. Il était dans Pokémon Épée Bouclier, ça je me rappelle. Oh non, je les soignerai pas, on s'en va dans un Poké Centre, prochain épisode. Prochain, ça va être. Lui, il faut. Je crois que lui, il faut une roche spéciale. Hein? Je pense que j'en ai un. Une pierre soleil, j'en ai même deux. Il évolue. Mais cette passe, je ne jouerai pas, c'est pas tout le monde là. Hein? Je vais faire lui tout de suite. Sunkiss évolue en Eliatron. Pokémon Soleil, type plante. Les rayons du soleil lui donnent de l'énergie. Il se regarde toujours dans la direction de l'astre du jour. Et voilà, un autre de fait. Regarde ça quand je ressemble. Ben, on l'a déjà vu sorti. J'étais en train de. Oh, papate, à nouveau lui. Papate. Je l'avais en équipe, ça fait un bout. Il est revenu. Un papa. Tu as des bonbons, j'en ai trois. T'as mis des bonbons. Niveau 14. Papa va prendre Frotte Frimousse. Frotte Frimousse. Le lanceur attaque en frottant ses bajoux chargés d'électricité, ce qui paralyse la cible. J'aime bien. Chargeur, je pense que j'en ai pas besoin. Là, je vois mes roches spéciales, j'ai quoi? J'ai une pierre foudre. Une pierre soleil. Est-ce que c'est des items que je peux acheter ça dans le jeu? J'aimerais ça savoir ça. Anyway, c'est tout le temps ce que nous avons. Nous avons avancé légèrement. On va continuer de l'exploration. Oui, on va continuer l'exploration prochain épisode. Et puis. On va. Je pense pas que je peux aller là. Ça va être des montagnes, peut-être. Mais, anyway, on va explorer. Prochain épisode, on va faire ça de même. Si je suis capable d'aller là, on va aller là. Et puis, peut-être même ça. Et on va aller en ville faire le gym électrique. Après ça, je sais plus c'est quoi la liste. On va découvrir ça au prochain épisode. Donc moi, je vous dis merci d'avoir été à tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.